se sonder, tu marches dessus, tu le laisses traîner, tu marches dessus. À la première écoute, tu dis bon, allez, ce coup-ci c'est notre tour, je les connais, les autres bouteilles, et nous, avec qui il va nous mélanger quoi. Surtout que le nôtre, en fait, il commence donc sur Tes Lacets avec une longue partie de notre morceau avant qu'arrive le deuxième morceau. I am DJ Zebra. Bootleg, mashup, bastard pop. It's taking two great songs, or even not so great songs, and making them better, hopefully. Anything that's homemade art outside of the industry of music. Maybe because pop music is a younger art form. I'm not sure about this theory, but it seems like in film or in the visual arts, the idea of collage. You know, the collage. You know, I made a collage, what do you know? Du collage. À bas la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les bois, la hiérarchie. À bas la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les bois, la hiérarchie. Pour tous ceux qui ont les mémoires, à bas la hiérarchie. This is kind of like a bootleg, because it's like filming film, so it's like music with music. Meta. Meta, totally meta. It's more like we're making love into the cameras. I think it's partially because of record companies being so afraid of MP3s and downloads, and it's taking money from artists. You know, there's this propaganda that, oh, with music you can't change the music. And I think that's kind of ridiculous, and I think it will change as people become more used to it. Ça remonte depuis l'époque du hip-hop. Je crois que autant que ce soit Roro ou moi, on a toujours adoré l'utilisation des samples, le recyclage, tu vois, reprendre un peu la musique des autres et te l'approprier. Et le bootleg, c'est qu'aujourd'hui, bah, le matos permet de pouvoir sampler bah, carrément une chanson entière au lieu de sampler des petits bouts. C'est un gros bordel quoi. Et ça qui me fait marrer, ça peut pas exister dans la vie quoi. Eminem peut pas chanter avec Louise Attaque, ni avec M, et puis voilà. Voilà, tu connais. Mais personne pourrait imaginer qu'on puisse mettre un rap par-dessus. Et pourtant. C'est pas juste un travail d'informaticien, c'est. Ni forcément de bidouilleur, ça, l'aspect technique, il vient après. C'est d'abord une réflexion sur comment pouvoir utiliser la musique pop d'une façon différente de ce qui a été fait avant. Quoi. Après, ce qui évolue, c'est de mettre des gens vraiment dans des styles différents, des époques différentes. Là, voilà, le bootleg est arrivé, on en est là. Because of what it is, they're bootlegs, it's underground. It's something that's the opposite of how capitalism usually works, where everything is given to you, go to the fast food restaurant, pay your money, and it's always the same. It's totally the opposite. You have to search, you have to work, it's mysterious, it's kind of strange and unusual. You can't just go and, oh, go to the store, yeah, and I'll buy that. You know, you're not going to hear it on the radio 10 times and on commercials 10 times because they can't get the music licensed. So it can happen. So it keeps it underground to some degree. So. Le mouvement bootleg a surtout explosé quand il y a eu plein de mélanges entre le R&B et le rap.
parce que le R&B ça commence à saouler tout le monde, Destiny's Child, etc. et tous ces trucs-là. Et Destiny's Child, tout comme Missy Elliott, ont eu l'intelligence de laisser leurs acapella sur Internet. Ils les ont laissé traîner. C'est en sens soit officiel, mais voilà, ces gens, servez-vous, faites des trucs. Et Bootlegger ont dit, ouais, super. Et puis nous, ils aimaient pas trop le R&B, mais ils aimaient bien les voix un peu sexy. Et ils ont tous mélangé ça avec du gros rock bien nerveux. Et tout le monde a trouvé ça super. C'est un mouvement qui appartient à Internet. D'ailleurs, c'est le premier mouvement musical qui soit complètement dans Internet. La consommation de la musique, elle a changé, ouais. Dans le bon, dans le mauvais sens, en tout cas, on est revenu à un système de tubes comme il y avait dans les années 60 où il y avait plus de 45 tours qui sortaient que de 33 tours. Et on est revenu à ça parce que Internet ne propose quasiment que ça, quoi. Les gens veulent une chanson au lieu d'acheter l'album. Et nous, dans le bootleg, on est dans le tube puisqu'on fait que ça, on détourne des tubes. Donc c'est une façon de dire, voilà, d'accord, il n'y a plus que des tubes, mais on peut faire autre chose avec, quoi. It's funny because it's even though it's international and global, the people making bootlegs are still, it's still kind of small. A lot of us know each other. The people making bootlegs and mashups, we, you know, obviously, but it's all over the world. You don't know what you're talking about. You would think I was sure when I come out. My album is hard. Carré d'agneau, it's a lamb with olive. Olive, it's steak d'espadon, espadon with fish. Gingembre with aphrodisiac. Ginger. Escalope de foie de canard. Je parti même, il y a le six mix qui dure une demi-heure. Le même mix qui dure une demi-heure. Il a commencé son émission en juin 2003. J'ai commencé en mai 2003. Il joue des bootlegs assez rock. Je joue des bootlegs assez rock. Mais à l'opposé, quoi. À San Francisco et à Paris. My first kill. Very good. Not too sweet. Kate Bush fan club that's in that show that and one of the clubs hated and yeah. He wished a car accident for me. Yeah. It sometimes happens to me too on the radio. Sometimes yeah. People hate you it. Can see the emails live too? No? No, but they call. They just call. Oh, they call. They call to the radio station and say, we hate this. Yeah. How could you do that? I hate you. I hope you get cancer. Comme Zardesia, par exemple, qui ont été les premiers à accepter des remixes sur leurs chansons, qui tout de suite dit, bon voilà, on accepte le fait que des DJ, des remixeurs voient autre chose dans notre musique. Et moi, j'apprécie cette démarche-là. Mais j'apprécie aussi le challenge en disant, t'as vu un peu ce que j'ai avec ta musique, tiens, notamment quelqu'un comme Diams, voilà, ça c'est mon truc aussi. Fait du rap français. Moi, je trouve que le rap français est très statique. Il est toujours centré sur la crédibilité hip-hop du mouvement. Et j'avais envie de dire, voilà, vos voix, elles peuvent coller sur autre chose. Pour qui ils se prennent, c'est... Ce qui était bien avec DJ Zebra, machin, c'est que c'était de voir le truc vivre, tu vois. Parce que sinon, c'est un disque. Moi, personne n'avait remixé le truc. De toute façon, moi j'aimerais bien, c'était marrant de le voir vivre un bout de ça par quelqu'un d'autre, quoi. This is Fonty Ben, the famous other one. The reason that you can't, it's the other law, you can't say bad words on the radio and you can't tape DJs. No taping DJs. I've been lucky because, like I said, I work for a radio station, so I meet a lot of the musicians and the artists that come into the radio station. And I say, hey, Beck, I made this remix of your song. I made a mashup here. Tell me what you think. And, you know, I've been lucky because every time I've talked to them, they've really enjoyed it. And one of the favorites on Live 105 is Nine Inch Nails versus the Beatles. JC, we've got an excerpt of that. Can you hit that over there?
Now, I know some artists probably don't think that. They say, how dare you? You've stolen my song. You've ruined it. Well, you know, my feeling is once you put the art out in the world, you know, it has kind of a life of its own. So, you know, it can grow or change as the world sees fit. Bande de choc, like Laurent Lavige. Adrien and the Mysterious D. Hi, nice to meet you. Hello. Hello, bonjour. Bonsoir. Salut, ça va? Salut. Comment fonctionne le phénomène du bootleg aux États-Unis? En San Francisco, beaucoup de personnes maintenant font le bootleg. C'est un comme Seattle grunge, c'est un nouveau. Ouais, ouais. Hit me. The year's 94 and my trunk is raw. In my rearview mirror is the motherfucking law. Got two choices, y'all. Pull over the car door. Bounce on the devil, put the pedal to the floor. San Francisco, c'est une ville de contre-culture et la ville de bootleg est vraiment ça. C'est vraiment une contre-culture. C'est un phénomène musical qui appartient à aucun style, qui est en dehors de toute industrie musicale. Et ça pouvait être que dans cette ville où il pouvait se passer quelque chose. Et tu l'as pas. À circuler, des gens disaient vraiment Green Day a chanté avec Oasis, c'est bluffant quoi. Le problème qui nous fait la force, hein, c'est qu'ils sont meilleurs ensemble, c'est pareil. Et je pense que. Quatre, moi maintenant j'avais bien appris qu'il y en avait deux plus, ça, Travis. Et Eminem. I did it as a kind of a joke. As part of my radio show, and I just said, oh wow, these two songs sound a lot alike, and maybe I can put that on the radio. Instead of telling people about it, I'll just make them, I'll make the bootleg, and I'll show people via the music itself, hey, listen, these songs sound the same. And before I knew it, it was getting played on 3 radio stations, then 5, then 10, and then I started getting emails from American Samoa and Australia and Japan and Brazil, and people were hearing it all over the world. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce club. Oh, je sais où le nom de club. C'est ici, sous la derrière, c'est Club Bouté. Ça a pas mal évolué puisque les soirées sont beaucoup plus nombreuses, les visites sur le site sont beaucoup plus nombreuses, non seulement parce que le bouche à oreille fonctionne pas mal, mais aussi parce que les artistes du bootleg français sont beaucoup plus exposés qu'ils n'ont pu l'être dans le passé. À l'époque, il n'y avait que les Too Many DJ qui avaient sorti leur CD. Là, depuis, il y a DJ Zebra qui est en prime time, Louis Placido qui ont leur émission sur Energy. Donc, de cette exposition, les gens sont beaucoup plus au courant de ce qui se passe et s'y intéressent plus. Tout ce qui est plus normal. Tu crois, là, j'ai 4,25, il reste plus d'un giga. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. We will rock you. Je suis en garde ça aussi que pour nous. Quand on voit les potes qui sont hyper contents d'écouter ça, on a envie de le faire partager. Internet, c'est vachement bien pour ça. Et après, légalement, on n'a pas le droit. C'est comme de mettre un morceau, les morceaux que tu utilises en ligne, c'est la même chose. Seulement, bon, c'est toléré pour certains. De temps en temps, tu choisis un artiste qui fait que tu tombes mal, quoi, parce que la maison de disque, il y a quelqu'un qui fouinait sur Internet. C'est exactement comme, une fois de plus, un remix. Je veux dire, à l'époque, un remix, tu n'as pas le droit non plus de remixer un titre et puis de le faire écouter. Et pourtant, en boîte, c'est ce qui se passe depuis des années. Quand le nouveau Franz Ferdinand est sorti, le challenge pour tous les bootleggers, c'est-à-dire, bon, le jour même, il faut qu'il y ait déjà un bootleg qui circule. Là, actuellement, c'est le nouveau Madonna, comme il est assez pourri, en plus. Pas forcément les artistes les plus chiants, c'est les éditeurs, les producteurs, ceux qui ont un intérêt commercial dans l'affaire, qui vont dire oui, mais voilà, notre artiste est plus important que l'autre avec lequel tu l'as mélangé, donc on veut plus d'intérêt, plus de droits. Moi, j'ai pas envie d'entrer en système là de qui va gagner quoi.
connaît tous le classique de Queen, qui est du rock progressif, vraiment dans toute sa splendeur, avec une évolution. Et là, il le contient dans un esprit pop. Et tout d'un coup, cette chanson, on a envie de la réentendre différemment. Il n'enlève en rien, il la respecte totalement, mais tout d'un coup, on découvre une nouvelle facette, on la réécoute, on la réentend. Et moi, la première envie que j'ai en écoutant ce bootleg, c'est de réécouter l'original. Et ben, je trouve que c'est gagné. Elle lutte à ce débat, mais résistera pas, je bloque l'ascenseur. Il y a des gens qui vont dire, voilà, oui, mais la propriété intellectuelle, oui, mais les droits d'auteur, les droits de compositeur, bah oui, ils existent sur les produits industriels. Le disque, c'est un objet, il est vendu, on rémunère les gens en fonction de ça, mais la musique dans l'air, celle qui circule à travers les ondes, celle qui rentre dans le cerveau, je considère qu'à partir du moment où on peut se l'approprier. Un groupe de bal, s'il reprend du Camille, et que Camille n'aime pas la version du groupe de bal, c'est pas grave, le groupe de bal a le droit de le faire. Donc moi, en tant que bootlegger, j'estime aussi avoir le droit d'avoir ma vision de la chanson de Camille ou de la chanson de n'importe quel artiste que je détourne, en disant voilà, c'est une matière qui est dans mon cerveau. J'ai des idées avec cette chanson, je les applique. C'est juste une envie de bousculer un peu les choses dans le milieu de la musique, de l'art, de la création, en disant voilà, on n'est pas obligé d'être figé dans quelque chose de très sérieux et de très traditionnel. On peut exploser les styles, les barrières, faire de la musique pour les sensations plus que pour une communauté, pour un style précis. Voilà, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. But I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, 'cause I'm back, I'm on the brag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. Little aliens, kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless, 'cause someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster, such a catastrophe. But you can see so damn much of my ass, you ask for me, well I'm back.